Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve... Comment je fais trop... Coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, beauty, get ready. Et on va faire un get ready with my sister. You asked me on Instagram. Alicia, fais-nous des vidéos avec ta soeur jumelle. Donc aujourd'hui elle a quelque chose à faire ce soir. Je ne vous dirai pas quoi parce qu'on s'en fiche. Et donc on va la préparer ensemble. On va lui faire mon wavy. On va l'habiller, par contre le make-up, elle va s'en charger parce que moi je suis bien nulle. Avant de vous laisser avec mon générique, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici, à laisser un pouce vers le haut et un commentaire. Et je vous laisse à la générique et on se retrouve juste après. Première étape du get ready pour ma sœur et on va commencer par l'étape donc des cheveux, donc je vais un peu vous montrer. Déjà je me suis déjà fait le teint là pour pas vous faire peur, donc j'ai mis ancien fond de teint et elle aussi. Bon, je me suis pas mis de mascara parce que je maquillerai les yeux ce soir et que là il est que 14 ou 15 heures, je sais pas quelle heure il est. Donc première étape, on divise la quantité de cheveux par deux, donc on fait plusieurs étapes. Là il n'a que deux, elle a beaucoup moins de cheveux que moi donc c'est plus facile. Moi d'habitude tu sais, si tu pouvais éviter de me faire une tête de supporter. Ensuite c'est fastoche, on commence par le côté gauche, on prend l'appareil comme ceci. Moi je commence toujours par les mèches de derrière parce que c'est plus facile quand je le fais seul. Voilà, mais on va commencer par devant, ce sera plus facile pour vous montrer. Je vous montrerai le... la coupe finie à la fin de toute façon. Vu que c'est une mèche de devant, je tourne les mèches vers l'extérieur. En fait, c'est-à-dire que quand je vais prendre l'appareil, je vais vraiment faire passer la mèche par-dessus pour qu'on ait vraiment cet effet-là vers l'extérieur. Parce que si c'est en effet inverse, c'est pas joli. Et là, ça fait des boucles qui sont pas belles. Donc, on enroule. À ma sœur, je lui monte pas très très haut parce qu'elle a quand même les cheveux plus courts que moi. Mais... et ça risque de faire trop bouclé. Mais bon, hier, c'était très beau quand même quand j'ai fait le premier récit. Oh, oui, voilà. Hier, on est monté haut quand même, non? Oui. Mais tu monteras haut sur ce duo. Manipulation sur toute la tête. Et on attend environ 5 ou 6 secondes, pas plus. Hein. Vous laissez, ne laissez pas votre mèche cramer sur vos cheveux. Comme la vidéo de la fille. Ouais. En 2010, je pense. Donc, on finit tout ça et on vous montre le final touch après.
travailler. Donc voilà le résultat final. Alors, petite astuce. Hier, quand je l'ai fait, elle était sur cheveux sales, donc beaucoup moins de volume qu'aujourd'hui. Donc vous voyez, ça fait très... Là, ça fait gonfler. Mais vous allez voir, à la fin de la journée, ça va tomber. De toute façon, c'est pour ce soir. Et même moi, quand je me l'ai fait, à chaque fois, c'est très bouclé. Et au fur et à mesure, ça tombe. Mais c'est canon. J'adore. J'ai mis un petit peu d'huile sur ses cheveux parce que ça fait toujours plus briller. C'est toujours très joli. Et devant, j'ai fait les mèches vers l'extérieur pour venir apporter du volume autour du visage. C'est trop beau devant. Franchement, c'est trop canon. Donc madame, elle va faire l'étape make-up right now ou soon? Non, je pense que je vais faire mon sac, ma tenue et après je maquille. Donc on va faire la tenue ensemble et ensuite elle fera son make-up et je vous mettrai le final look de toute façon en fin de vidéo quoi. Donc on se retrouve dans la chambre de ma twin sister et on va décider dans sa tenue. Je pense que je vais mon nouveau pantalon Zara. Ok, donc elle a choisi son nouveau pantalon Zara. C'est une coupe droite, taille haute. Non, on s'en fout. Donc c'est une taille haute, très jolie. Moi je vote pour celui-ci, il est trop beau. Tiens, va essayer. Ok, je vais essayer. C'est bon, t'es prête? Oui. Et voilà, pas vrai qu'elle est canne. Ah, c'est trop beau, moi j'adore. Mais c'est trop beau. Mais j'ai le pantalon et les chaussures qui sont neuves. Je les ai achetées hier. Ces chaussures, elles viennent de Zara. Elles sont canon. Elle les a achetées hier. Dites-lui qu'elle les porte ce soir parce qu'il faut qu'elle les porte. Le pantalon, c'est un Zara. Et le haut, on est sur un Nightingale. C'est trop beau. Et les cheveux, Alicia. Les cheveux, Alicia. Bon, moi, je valide. Tu veux qu'on essaye notre tenue, cas où? Ok. Update, Babou n'aime pas trop la tenue 1, donc on est en train de chercher tenue 2. Donc, à toutes. Guys, après quelques heures, j'ai le maquillage qui a collé. Barbara a finalement changé de tenue. Je vous présenterai ça juste après. Là, on va un peu lui faire des plaques sur les cheveux parce que c'est un peu trop gonflé. C'est pas descendu. C'est pas assez redescendu. Puis je vous montre le final look à la fin. Et voilà le final look de ma pépite. Elle est trop belle, maquillée, préparée. Montre la tenue au final que tu portes. Donc toujours accompagnée de son petit sac Valentino. Et finalement, elle a préféré rester elle-même. Et c'est ce que je lui ai conseillé de faire parce que c'est le mieux. Passez une bonne soirée. Bisous Babou. Bisous. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Babou est toujours en train de se maquiller. Et ça risque de mettre du temps. Donc moi, je vais filer au montage. Et je vous mettrai le final look à la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si jamais vous voulez plus de vidéos avec ma soeur, why not. De toute façon, il y en aura une prochainement pour le sapin de Noël. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous.